L'onction ne vient pas pour nous donner des sensations. L'onction vient pour un travail précis. Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour et pour. Et ce n'est pas parce que ta situation a commencé par s'empirer qu'elle va demeurer ce qu'elle est. J'annonce le changement sous l'onction du Saint-Esprit. J'annonce le changement sous l'onction du Saint-Esprit. J'aimerais te dire que Dieu connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Stop it!
Pour te toucher. Toi qui attends la prédication pour te concentrer, tu te trompes. Il est capable de faire en toi ce qu'il peut faire après le message, car il est écrit, alors que Pierre parler dans la maison de Corneille, avant qu'il n'ait même achevé son discours, le Saint-Esprit est venu sur Corneille et sur sa maison, et ils se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce qu'il était pressé d'agir. Il était pressé d'agir parce que Corneille avait tellement soif de Dieu que sa soif a pu permettre que même avant la fin du message, que la main de Dieu puisse s'abattre sur lui. Et ce matin, il y a des Corneilles. Ce matin, il y a des femmes Corneilles, des hommes Corneilles, qui ne sont pas venus par habitude, qui ne sont pas venus par religiosité, mais qui sont venus parce qu'ils croient que Dieu est vivant, parce qu'ils croient que Dieu existe, que Dieu est réel. Et à cause de ces personnes,
Il y a une perturbation dans le programme à cause de ces personnes. Il y a une perturbation dans le programme. La Bible nous dit, alors que Jésus-Christ allait dans la maison de Jaïrus, c'était cela le programme. Une femme qui avait soif, qui avait la perte de sang, est venue par derrière. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Elle n'avait que faire du programme. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Elle n'avait que faire du programme de Jaïrus. Mais elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Et elle vint par derrière, car personne ne pouvait lui permettre de venir par devant. Et elle toucha le pan de la robe de Jésus. Et la Bible dit, Jésus s'arrêta. Il arrêta son programme. Et il se tourna vers cette femme et lui dit, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Une force est sortie. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Et les apôtres dirent, plusieurs te touchent. Comment peux-tu dire qui t'a touché? Quelqu'un m'a touché différemment. Quelqu'un m'a touché avec la foi. Et la femme, sachant que c'était elle, commença à trembler. Et Jésus, rempli de compassion, la regarda et dit, femme, ta foi t'a sauvée. Va, sois guérie. Aujourd'hui, ici, il y a des hommes et des femmes de la même nature que cette femme que Dieu est déjà en train de toucher. Certains sont même dehors, mais ils sont plus concentrés que ceux qui sont dedans. Certains sont même sous les tentes, mais ils ont même plus soif que ceux qui sont dans le temple. Ce n'est pas un dimanche ordinaire. Ce n'est pas un dimanche ordinaire. Ce n'est pas un dimanche ordinaire. C'est un dimanche des assoiffés de Dieu. C'est un dimanche des affamés de Dieu. Prie le Seigneur. Lorsque tu sens l'onction de Dieu et la présence de Dieu se mouvoir dans un endroit, il faut profiter, il faut maximiser. Prie le Seigneur, car sa présence est ici déjà. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Pour celui qui a soif, pour celui qui a faim, la main de Dieu est là. Yes. Nous allons prêcher dans cette atmosphère. Pour ceux qui sont venus pour la première fois à la compassion, il nous arrive de prêcher comme ça dans cette atmosphère. Car la Bible nous dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Diminuez le synthé pour que les gens m'entendent. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir au-dessus des eaux,
Dieu a commencé à parler en fin de créer. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir dans cette église. Et pendant qu'il est en train de se mouvoir, Dieu est en train de créer. Il est en train de créer des guérisons, des délivrances, des transformations. Il est en train de créer des extensions de 1000 membres. Il est en train de créer des extensions de 1000 membres. Carré de gezimre kote kurimo go sakariabo le broto saya. Bien-aimés frères et sœurs, le problème de l'église, c'est que nous prions que Dieu vienne, mais quand il vient, nous ne savons plus quoi faire quand il est venu. On peut entrer dans des retraites et des prières pour que Dieu vienne. On chante au début du culte pour que Dieu vienne. Les cantiques disent Dieu vient, mais quand il vient, les gens qui ont dit viens, ils ne savent plus quoi faire. Une maladie. Quelle est cette maladie? C'est attendre Dieu, mais sans savoir se comporter quand il est venu. Car la Bible dit, dans Genèse 1, verset 1 à 3, la terre au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il maximisa la mouvance de l'Esprit afin de restaurer la terre qui était informe et vide. Certains ce matin sont comme la terre. Ils sont informes et vides. Les ténèbres sont dans ta vie sur plusieurs formes. Celui-ci, les ténèbres, ce sont les démons qui dominent sa vie. L'autre, c'est le péché. L'autre, c'est la maladie. L'autre, c'est la pauvreté. L'autre, il n'avance pas dans la vie. Les ténèbres sont en train de se mouvoir sur ta vie. Une situation qui a pris des années, mais qui n'a jamais changé. Une condition qui t'énerve, mais qui perdure dans ta vie. Ta vie n'a pas de forme. Tes enfants n'ont pas de forme. Ton mariage n'a pas de forme. Et la Bible nous dit que Dieu ne s'est pas arrêté à constater que la terre était informe et vide. Nous n'avons pas un Dieu qui vient visiter nos problèmes et puis ne fait rien de nos problèmes. Nous n'avons pas un Dieu qui vient visiter nos problèmes et dit, il y a les ténèbres et puis s'arrête là. Non. Il a vu les ténèbres. Il a vu le chaos. Il a vu le tohu-bohu de ta vie. J'aimerais te dire que Dieu connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Il sait que tu es venu ce matin. Il sait ce que tu te disais dans ton cœur ce matin lorsque tu es venu à l'église. Il connaît les problèmes que tu traverses cette année. Il connaît les problèmes que tu traverses ce mois. Le problème de tes enfants. Le problème de ta famille. Les ténèbres étaient sur la terre. Et quand l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir, afin de préparer la création, lorsque tu sens l'onction de Dieu, sache que Dieu veut créer.
Quand tu sens l'onction de Dieu, sache que Dieu veut restaurer quelque chose. L'onction ne vient pas pour nous donner des sensations. L'onction vient pour un travail précis. Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour et pour. Et ce matin, je sens une forte onction de l'Esprit sur moi. Et je sais que c'est pour créer quelque chose, restaurer quelque chose, restituer quelque chose, bénir quelque chose. L'église n'est pas l'église sans l'onction. L'église n'est pas l'église sans la mouvance de l'esprit. Ça, c'est l'église morte. Où les sorciers viennent, ils s'amusent. Les féticheurs viennent, ils s'amusent. Dans une telle atmosphère, aucun magicien ne peut opérer. L'esprit de Dieu a vu les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir sur les ténèbres. L'Esprit de Dieu n'a pas peur de tes problèmes. Je dis l'Esprit de Dieu n'a pas peur de tes problèmes. L'Esprit de Dieu n'a pas peur de tes problèmes. L'Esprit de Dieu n'a pas peur de tes problèmes. Dans d'autres versions, on dit que la terre était tohu bohu, un chaos. Mais malgré le chaos, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus du chaos. Dieu n'a pas peur de la mort. C'est pourquoi il s'appelle la résurrection. Il n'a pas peur de la maladie. C'est pourquoi il s'appelle la guérison. Il n'a pas peur des ténèbres. C'est pourquoi il s'appelle la lumière. Il n'a pas peur de la pauvreté. C'est pourquoi, du riche qu'il était, il s'est appauvri afin de t'enrichir. Les ténèbres et la lumière. Qui est venu avant? Qui est présenté avant? Les ténèbres sont présentées avant. Mais ce n'est pas parce que les ténèbres sont présentées avant que ce sont elles qui vont gagner. Et ce n'est pas parce que ta situation a commencé par s'empirer qu'elle va demeurer ce qu'elle est. J'annonce le changement sous l'onction du Saint-Esprit. J'annonce le changement sous l'onction du Saint-Esprit. Wow! Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Comment est-ce qu'il y a eu les ténèbres? Comment est-ce qu'il y a eu le chaos? Car la Bible nous dit que Dieu fait des choses parfaites. Comment est-ce que Dieu a pu créer une terre informe et vide? Cela n'est pas l'œuvre de Dieu. Car dans Genèse 1 et dans Genèse 2, il y a des choses qui se passent entre ces deux versets qu'on appelle la précipitation de Lucifer. Lucifer, lorsqu'il a été précipité sur la terre, il a amené le chaos sur la terre. Il est venu avec le un tiers des démons, un tiers des anges, et ils ont amené le chaos sur la terre. Et Dieu devait restaurer cela. Ils ont fait un grand travail afin de rendre cela abîme, informe et vide. Mais quand Dieu décide de changer les choses, Mareleshaya, il ne fait pas les mêmes choses que son ennemi. Il commence seulement à parler. Nous avons un Dieu qui fait des choses extraordinaires dans la facilité. Nous avons Église Compassion, Communauté Créfem. Nous aurons des grandes églises, mais dans la facilité. On ne va pas vendre l'huile, on ne va pas vendre des bougies, mais dans la facilité, nous serons dans le monde entier. Nous ne prêcherons pas un évangile qui fait plaisir. Non. Nous serons dans la parole. Nous prêcherons la sainteté. Nous prêcherons la repentance. Nous prêcherons la croix. Nous prêcherons la vérité. Face à un tel problème, tu peux être amené à changer de méthode. Mais Dieu ne change pas de méthode. Il dit que la lumière soit.
Et la lumière fut. D'où venait cette lumière? Elle était en Dieu, mais pas encore manifestée. Tout ce que vous cherchez est en Dieu, mais pas encore manifesté. Tout ce que vous désirez est en Dieu, mais pas encore manifesté. Tout ce que vous cherchez est en Dieu, mais pas encore manifesté. Tu cherches la lumière dans tes entreprises. La lumière n'est pas dans l'occultisme. La lumière est en Dieu. Tu ne vois pas clair dans la vie. Ce n'est pas loin. C'est en Dieu. Il dit seulement que la lumière soit sans interrupteur. Je dis sans interrupteur. Il est le Dieu qui allume les lampes sans interrupteur. Je dis il est le Dieu qui allume les lampes sans. Ah, il est le Dieu qui allume les lampes sans interrupteur. C'est pourquoi les gens nous posent des questions. Vous faites quoi? Vous êtes soutenu par les États-Unis? Non, il est le Dieu qui allume les lampes sans interrupteur. Je crois qu'en venant ici, tu t'attendais à voir un grand représentant légal. Un gros représentant légal. Ce n'est que ce jeune. Il allume les lampes sans interrupteur. Lorsqu'il est en train de restaurer la terre, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière était en lui. Mais maintenant, lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, en ce temps-ci, il est où? Non, je sens que tu n'as pas capté la révélation. Hors de Dieu, il y avait les ténèbres, il y avait le chaos. Et quand Dieu veut restaurer les choses, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il chasse les ténèbres, il établit la lumière. Mais aujourd'hui, en ce temps-ci, après l'œuvre de la croix, après la venue du Saint-Esprit, ce Dieu qui a appelé la lumière est où? Et il est où? Réponds-moi, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est en moi. Écoute, est-ce que Dieu hors de toi et en toi change? Est-ce que quand Dieu entre en toi, il devient un Dieu en minuscule? Quand il sort de toi, il devient un Dieu en majuscule? Est-ce que Dieu, quand il est en toi, il est une petite lumière? Quand il sort, il a une grande lumière? Il est le même. Hier, aujourd'hui et... Il est le même dehors et... Il est le même dehors et... Il est le même dehors et... Dedans. Maintenant, si il arrivait qu'en ce temps-ci, autour de toi, tu vois les ténèbres. Tu vois les choses sont informes et vides. Ton congélateur vide. Ton compte en banque vide, l'église vide, tes enfants vide. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas... Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te plaindre? Est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu vas accuser? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler. La puissance de la parole. La puissance est dans la parole. Cette église, elle a été créée par la parole. Cette année, nous serons 4000 membres. Ce n'est pas nous comptons sur une croisade. Nous créons les fidèles avec la parole.
parole. Nous serons dans le monde entier. Je ne compte pas sur qui que ce soit avec la parole. Cher pasteur, quand un problème vient dans l'église, ne te plains pas. Entre dans ta chambre. Parle. Parle. Dis l'église que tu veux avoir et tu l'auras. Dis-le et tu l'auras. Dieu ne voulait-il pas le soleil? Il a eu le. Il voulait les poissons, il a eu le. Il voulait les arbres, il a eu le. Il voulait l'homme, il a eu. La Bible dit, le salut n'est pas loin de toi. Il est en toi, dans ta bouche. Le salut est dans ta bouche. C'est ainsi qu'on dit que Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point comme si elles existaient. Il n'est pas le Dieu qui nie les choses qui existent, mais il appelle à l'existence les choses qui n'existent point comme si elles existaient. Il n'a pas dit il n'y a pas les ténèbres. Il ne s'est pas occupé des ténèbres. Je n'ai pas le temps de nier ce que je vois, parce que ce que je vois est déjà là. Je n'ai pas le temps de nier la maladie parce qu'elle est là. Mais j'ai le temps de créer quelque chose qui n'est pas là. Lumière. Est-ce que je peux nier qu'on est locataire? On est locataire. Mais je peux créer un temple de 7 étages. Tu ne peux pas nier que tu as 100 membres, mais tu peux créer 1000 membres. Tu ne peux pas nier que tu n'as pas la puissance, mais tu peux créer une vie de puissance. Pourquoi tu t'attardes sur les ténèbres et sur l'étude des ténèbres? Dieu n'a pas pris le temps à étudier les ténèbres. Il a seulement constaté. Et la terre était informe et vide. Elle dit, c'est bon. Esprit de Dieu, précède-moi. Les ragazi kama les brababach. Reta kabandaraba. Comme un caterpillar, il a commencé à préparer le chemin. Comme les mamans qui mettent de l'huile sur le truc avec lequel on prépare pour préparer que le gâteau ne puisse pas coller sur le plat. Rekabo zakandarabo. Car lorsque vous parlez en d'autres langues dans la chambre haute, sachez que vous serez une église de 5000 membres. Mais là, vous êtes encore à 120 personnes dans la chambre haute. C'est pourquoi, bien aimé, je ne tiens pas compte de ce que je vois, mais des choses que je vis dans mon esprit. Si quand je prie le matin, je sens que l'église va déborder sur la route, je dis à ma femme, aujourd'hui ce sera jusque dehors. Tu as fait quoi? Un panneau? Je n'ai pas besoin de panneau. J'ai senti l'esprit se mouvoir. Vos bouches. Touche un peu ta bouche. Vos bouches sont des sources de miracles et de transformation. Mais le problème, vous ne savez pas les utiliser. Ozo kanza muto okufa na posa mai, mais robinet à la rana loupambou. Tu meurs de soif, mais tu es un robinet. Tu ne sais pas seulement ouvrir. Tu ne sais pas seulement ouvrir. Celui qui a restauré est venu habiter en toi. Le Saint-Esprit habite ton esprit. Le Père habite ton esprit. Jésus habite ton esprit. Nengo zawana. Nzambe
Oh, ça li kolo pese. Azan katino. Nzamba za awa. Aza awa po za awa. Maintenant, le Dieu qui est en toi a besoin de toi pour sortir de toi et toucher ce qui est hors de toi, qui touche ce qui est en toi. C'est ainsi que tu peux être malade, mais tu n'es pas guéri parce que tu ne sais pas parler. Ma maladie, tu ne seras jamais guéri. Mais si tu dis, je ne suis pas malade, car dans les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. J'appelle la guérison. Ce corps est le temple de la guérison, pas le temple de la maladie. Tu peux te plaindre, j'ai pas d'argent. L'argent n'aura pas pitié de toi et venir. Mais tu peux dire, j'ordonne à l'argent de venir dans ses poches. J'ordonne à l'argent de venir dans ses mains. Tu vas dire, non pasteur, ça ne se fait pas. Et les gens qui touchent au fétiche pour avoir l'argent, ils ne travaillent même pas. Ils vont seulement chercher un féticheur, il a l'argent. Pourquoi? Les mondes des esprits donnent l'argent. Et si tu ne savais pas, le monde des esprits donne l'argent. Moi je prie et quelqu'un vient me chercher et Dieu lui dit, donne-lui l'argent. Et il me donne l'argent. Ah, oui, il me voit même dans un songe. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Parce que vous ne savez pas parler face à vos situations. Au lieu de parler, vous vous plaignez. Au lieu de parler, vous vous lamentez. Vous parlez aux hommes. Mais est-ce que vous avez déjà parlé comme Dieu? Mais est-ce que tu as déjà parlé de cette situation comme celui en qui Dieu habite? Plus jamais ça dans ma vie. Qui es-tu? Dieu habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plus jamais ça dans ma vie. Je commande cela. Paul rencontre un homme. Ce n'est pas lui qui a créé les yeux de cet homme. Mais il décide qu'il ne va plus voir. Et il ne voit plus. Ce n'est pas lui qui a créé cet homme. Ce n'est pas lui qui a créé les yeux de cet homme. Mais il décide. Il dit, tu ne verras plus. Et il ne voit plus. Pourquoi? En lui était celui qui a dit que la lumière soit. Et il peut dire maintenant que les ténèbres soient. Car celui qui peut appeler la lumière peut aussi appeler les ténèbres. Ainsi, je peux frapper quelqu'un de guérison et de maladie. Je peux frapper quelqu'un de bénédiction et de pauvreté. Car lui qui a la puissance de bénir a toujours la puissance de maudire. Tu es dangereux, mais tu t'ignores, tu trembles, tu as peur, mais on a peur de toi. Ça t'est déjà arrivé, tu as peur du rat, le rat aussi a peur de toi. Toi tu fuis à droite, lui aussi fuit à gauche. Mais lui, il a raison de fuir. Mais pourquoi toi tu fuis? À ça la cocaïne qu'elle est. C'est pourquoi bien. Le problème de l'église actuelle, c'est une exploration intérieure qu'extérieure. Vous n'avez pas compris. Un enfant qui a tout à la maison, mais qui n'a jamais même, qui n'est jamais entré dans aucune des pièces de leur maison, mais qui est tout le temps en train d'envier la maison d'une chambre du voisin. Qu'est-ce que son père dira? Il dira, sors de la parcelle, va visiter la seule pièce du voisin, ou il dira, visite votre château. Il te dira quoi? Visite votre château. Tu habites un château appelé la vie chrétienne. Tu habites un château appelé le christianisme. Mais jusque-là, tu n'as pas encore exploré les chambres. Mais tu es déjà en train de te plaindre de ce qui se passe en dehors. As-tu déjà exploré de prier de 0h à 3h? Déclarant que des bonnes paroles sur tes enfants, jamais tu ne l'as fait. Tu te plains de quoi?
As-tu déjà exploré de sortir le premier de ta parcelle et de tourner toute ta parcelle et déclarer dans cette parcelle Jésus est Seigneur? Tu n'as jamais vu un domestique quitter le boulot sans que tu le chasses. Un jour, j'ai compris cela. Comment j'ai compris ça? Je regardais une image, une église de 500 000 membres. J'ai regardé, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que nous les Congolais on t'a fait pour qu'on n'ait pas des églises comme ça? En ce temps-là, l'église qu'on passait avait 800 membres. Et puis Dieu m'a dit, ce n'est pas ma faute. J'ai dit, quoi? Il dit, regarde cette église, je regarde. Il me dit, elle est surnaturelle. Aucun pasteur par ses efforts ne peut atteindre autant de personnes. Et puis Dieu me dit, regarde comment il fait. Il parle seulement. Et il croit que ce qu'il dit va arriver. Il parle, il croit que ça va arriver. J'ai dit, ah, il parle seulement. Quand je vois, il avait une chorale de moins 10 000 choristes. J'ai dit, Seigneur, donne-moi seulement la chorale. Et puis il me dit, je te donne 2 000. J'ai dit, merci. Il m'a dit, c'est pas tout. Démontre que tu crois. Va à l'église. Va dire. Et je suis venu ici. Frère, cette année, nous serons 2 000 membres. Vous m'avez pris pour un fou. J'ai dit, mettez les tentes. Mais qui va s'asseoir dedans? Les gens que j'ai appelés. On a une télé? On n'a pas de télé. On met des panneaux? Oh non. Mettez. Tolons là? On a tolé. Mettez les chaises? On a mis. Sortons dehors? On est sortis. Et nous sommes en train d'aller vers 4000 membres. Je vais te donner un secret, car tu peux mieux maîtriser ce qui t'arrive toi-même pour le perpétuer. Comment t'es-tu retrouvé ici? Tu as senti quelque chose. Tu passes 3e rang, tu passes 10e rang, tu passes 9e rang. Tu dis, ah, ici, descends ici. Tu descends. Entre ici, reste ici, n'est-ce pas? Les choses aussi de ta vie peuvent entendre ta voix. Oh my God! Les choses de ta vie peuvent entendre ta voix. Ton enfant peut entendre ta voix. Ta maison peut entendre ta voix. Ton passeport peut entendre ta voix. Ton visa peut entendre ta voix. Ton corps peut entendre ta voix. Et j'ai commencé à créer mon monde. Car si celui qui créait en moi, je crée mon monde. J'ai la maquette de mon monde. Et je suis tous les jours en train de m'avancer vers la création de mon monde. Dans quel genre de maison tu veux habiter? C'est ça ton monde. Dans quel genre de voiture tu veux rouler? C'est ça ton monde. Dans quel quartier tu veux habiter? C'est ça ton monde. Quel genre d'église tu veux? Moi j'ai rêvé une église où je prêche, les gens sont debout comme ça. Où il y a la prêche. Et je suis en train de créer mon monde. Où les paralytiques marchent. Il y a deux dimanches, quelqu'un a jeté la béquille pendant les offrandes. Où tu prêches quelqu'un. Il ne comprend même pas ce que tu as dit. A changé. Et j'ai commencé. Et je me suis rendu compte que ma chantier n'a pas été retard. Parce que j'ai commencé en retard. J'ai pris plus de temps à me plaindre.
Si je connaissais ce que je connais aujourd'hui, je ne serais pas là où tu m'as trouvé. Oh, le problème n'est pas l'oncle. Le problème n'est pas la tante. Le problème, c'est celui qui doit parler et qui ne parle pas. Le problème n'est pas celui qui ne t'aide pas et qui ne te soutient pas et qui t'a oublié. Le problème, c'est toi qui dois parler, mais tu ne parles pas. Tu peux avoir Messi dans ton équipe, il ne marque pas parce que tu ne lui as pas passé. Et tu peux avoir Jésus dans ton équipe, il ne marque pas parce que tu ne lui as pas passé. Quand cette chose te domine, il dit, passe-moi ça. Quand cette puissance te domine, il dit, passe-moi ça. Mais toi-même, tu veux dribbler toi-même, tu veux tout faire toi-même. Passe-moi ça, on va t'arracher le ballon, on va te mettre un but. Passe-moi ça. Quand est-ce que je passe à Dieu? C'est lorsque, sorry, on peut remettre là. Si vous avez filmé ça, coupez ça. D'accord. On ne montre pas tout. Ça, c'est un accident. Amen. Quand est-ce que tu passes à Dieu? C'est lorsque tu entres dans ses principes et tu quittes tes principes humains. Lorsque tu cesses de fonctionner comme un homme, tu commences à fonctionner comme Dieu. Lorsque tu commences à fonctionner autrement. Avant, tu disais, je ne travaille pas parce qu'on m'a oublié. Maintenant, tu changes. Tu dis, je vais travailler dans un mois. C'est ça changer. Avant, tu disais, c'est fidèle, il n'aime pas venir à l'église. Tu changes. Cette année, 1000 membres. Tu changes. Lorsque tu changeras de langage, alors le numéro 10, Jésus, entrera en jeu. Il te marquera des buts et 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 des buts. Mais tu dois passer. Je veux vous dire une chose. Si ce qui est à toi fonctionne dans les mains de celui à qui ça n'appartient pas, donc ça doit fonctionner davantage dans tes mains. La sorcellerie fonctionne comment? Par ce principe. Au bas la tête. Et celui. Est-ce que Bakena Rokope Ksami Balignon Soba Yana Vino? Y'a le bigara. Oh balade. Otikali Kitoko. Otikali Nanyoso. Mais y'a le bigara. Oh balade. Ah, je veux dire quelque chose. Entre le temps où tu dis que la lumière soit et la lumière fut, il y a un temps qui passe. Et certaines personnes ont peur de ce temps-là où ce qu'ils disent ne s'accomplit pas encore, mais est en route pour s'accomplir. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Deux frères, venez. Je vais vous montrer comment. D'ailleurs, je vais m'arrêter là. Mon frère. Oh, les gens qui sont dehors. Est-ce qu'il y a un écran géant dehors? Vous allez voir. Il fallait venir à temps. Il faut donner l'argent pour qu'on achète vite un temple. Voilà maintenant. Au comprendre dans mon limo. Pour battre nous, c'est pas le cas qui m'a été à Pierre Témé. Babongolem Témé. Mambra Gazaya. Voici. J'ai besoin d'un autre frère. Venez. Oui, deux frères, venez. Parce que là, tu peux dire, pasteur, t'es l'icolo, trop, y'a on en comprend t'es. Oh, se comprendre t'es, on a un problème. Voici ce qui arrive. Qu'est-ce que nous disons souvent? Nous disons que la parole de Dieu ne rentre jamais à lui sans avoir arrosé la terre. C'est-à-dire, si elle vient, elle doit rentrer. Et c'est quand elle rentre qu'elle te bénit. Elle vient et puis elle rentre. Elle accomplit et puis elle rentre. C'est comme l'évaporation. Et voici maintenant le principe. Comment est-ce que tu peux faire retourner à Dieu sa parole pour que tu sois béni? Parce que Dieu n'agit pas dans nos vies parce que nous parlons seulement, mais parce que nous retournons sa parole.
Eux, ce sont les anges. Mettez-vous dans la position de départ comme les sprinteurs. Comme ça, oui, oui. Bien. Vous l'aimez. Et ça, ce sont des chrétiens. Chacun a son ange. Car la Bible dit l'ange de Pierre. Maintenant, tu es en train de vouloir que Dieu vienne et te bénisse. Il y a un comportement. Mais les anges sont prêts. Ils attendent rien de Dieu parce que Dieu t'a déjà parlé. Je suis en train de vous partager un secret qui est en train de changer toute ma vie. De peur que les gens viennent vous dire, oh Marcela Simbiki, c'était révélation à parole. Auto comprendre tes micros. Oh non, on ne comprend plus, il a touché. Voici ce que j'ai touché. Je vais vous expliquer maintenant ce que j'ai touché. Dieu n'attend, les anges n'attendent plus que Dieu leur parle. Parce que Dieu t'a déjà parlé, il t'a fait une promesse. Maintenant, eux, ils sont en position, attendant quoi? Que tu commences à citer ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit que cette année, tu auras un enfant. L'ange qui doit t'amener le bébé est là. Il lui a déjà dit, je vais donner un enfant à cet homme-là. Il lui a donné l'ordre. Mais il attend maintenant que celui à qui on a dit tu auras un enfant puisse avoir le comportement comme Dieu a dit. Maintenant, le frère comme dit, je vais avoir un enfant. Dis, vas-y. Je vais avoir un enfant. Il vient. Je vais avoir un enfant. Je vais avoir un enfant. Je vais avoir un enfant. Arrête-toi. Maintenant dis, est-ce que j'aurai un enfant? Est-ce que j'aurai un enfant? Comment ça régule? Est-ce que j'aurai un enfant? 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 Position encore. Et puis, il attend encore. Fotanani. Yanzambe. Fotanani. Yayo Moko. Aujourd'hui, tu parles avec la foi. Demain, avec les doutes. Tu cloches entre la foi et l'incrédulité. L'incrédulité, la foi, l'incrédulité. Cette année, 4000 membres. Je ne changerai pas de langage. Maintenant, un ange qui est là et qui voit comment tu souffres alors que Dieu t'a déjà donné la parole et lui a déjà donné l'ordre. Ah, ok, le mawa. Ok, le compassion. C'est ainsi que des fois, quand Dieu voit le blocage entre son plan et toi, il envoie un prédicateur. Et il vient un dimanche. Bien-aimés frères et sœurs, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Quel est le but? C'est te rapprocher de ta destinée. C'est pourquoi il ne faut jamais haïr les hommes de Dieu. Il ne faut jamais combattre les hommes de Dieu. Il ne faut jamais maltraiter les hommes de Dieu. Il ne faut jamais remplir leur cœur de tristesse. Mais il faut prier pour que Dieu leur parle. Afin qu'au travers d'eux, Dieu puisse t'aider à raccourcir les choses. Dieu dit à celui-là, dans les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Et maintenant, il a un problème de rein. Il dit à l'ange, prends un rein. Parce que si tu crées les reins, tu dois avoir des reins d'échange comme les pièces. On dit, maman, oh, et puis quand on a le rein, ça l'a emballé. Bah, c'est la guérison. Mais quand quelqu'un dit, mon rein vient d'être guéri, on vient de lui donner un autre rein. Quand quelqu'un emboîte, le pied sort, ça vient d'où? Ça vient du magasin. Il dit, prends le rein. Amène le rein maintenant. Déclare seulement dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Vas-y. Dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri.
J'allais mettre ici, Jésus, je suis guéri. Et il crie, je suis guéri, pasteur, je suis guéri. Tu as fait que la parole puisse retourner à celui qui te l'avait donné. Et maintenant, lorsque cet ange a bien fait, lui, il attendra toujours. Parce que, baza combien basé là, na vie, non? Baza combien basé là, au gêné, pour yo baloba ki yo fo, au gêné. Nengo linga kolia, nengo linga ko dame, nengo dama dama dama. Oui. Un jour, je sortais de ma chambre, j'ai senti une main me toucher là. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, je suis l'ange qui accompagne ceux qui jeûnent. Et il arrive des fois, je veux manger, dis ne mange pas. Je sais que c'est Dieu qui veut m'utiliser dans une dimension. Ils sont combien d'anges dans ta vie qui attendent toujours? L'ordre est déjà envoyé. Le cadeau, ils l'ont. Le colis, ils l'ont. Mais le problème, celui qui a reçu la promesse commence à jalouser celui-là. Bando tongesko, tongae. Tala yekutu, aye kalaming ten église, ou bagerizon in yalukuta be ukana kina pasteur, wana miracle te, wana miracle wapi, rien bikara. Ton ange restera encore là. Mais il faut poser la question à l'autre frère, comment as-tu été guéri? Comment ton ministère avance? Au lieu de dire qu'il est magicien, il va te dire, j'ai compris dans la parole que dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et il va te dire, tu as seulement dit celle de oui. Mais j'aimerais te dire la vérité. Des fois, quand j'ai confessé, j'avais mal. Hein? Mais je continue toujours à confesser, même si j'avais mal. Ah bon? J'étais même découragé. Dire, moi aussi, j'étais découragé, puis j'ai changé de langage. Ah, ça va. Et il recommence à dire, cette année, j'aurai un enfant. Vas-y. Cette année, j'aurai un enfant. 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 Cette année, Et la parole revient à celui qui te l'a donné et elle s'accomplit dans ta vie. Bien-aimé, si vous appliquez ce principe, vous témoignerez et 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 vous témoignerez. Cher pasteur, ça s'applique même au ministère, dans tous les domaines de la vie. Tu es chef d'entreprise, ça s'applique à toi. Tu es étudiant, à tes études. Tu es femme au foyer, à tout. Tu es politicien, à chaque domaine. Dieu a donné une promesse dans tous les domaines de la vie. Dieu n'est pas que le Dieu des pasteurs, ou le Dieu des politiciens, ou le Dieu des rois, ou le Dieu des riches, ou le Dieu des jeunes. Il est le Dieu de tout homme sur terre et il a fait des promesses. Je vous dis, bien-aimés, si ça devient votre vie, malgré ce que vous vivez, car souvent la réalité que tu traverses peut t'amener à dire autre chose. Tu dis que tu es guéri et puis tu sens la douleur. Tu changes, tu dis, ah, Ezongi, même si tu sens, je suis guéri. Tu touches tes poches, il n'y a rien. Je suis riche. Tu viens au culte 10 personnes, tu dis nous sommes une grande église et tu prêches de tout ton cœur au Kansabaza, un million. Moi je n'ai pas de nom, 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 je n'ai pas de nom. Oui, des fois vous dites, mais pasteur Marcel, tout ça mouké, pas flépé, Zali, micro, Zali, pour nous gagner. On a esprit, on a un mot, on a 10 000 personnes. Vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Dans ton terre, dans mon terre, car si tu crois en la pluie, tu dois porter l'imperméable. Si tu crois en la pluie, tu dois porter l'imperméable et tu dois avoir l'attitude des promesses. C'est ainsi que tu n'enviras jamais un occultiste, un magicien. Jamais tu perdras le temps à envier quelqu'un. Mais tu regarderas ta vie, là où il y a les ténèbres et tout le reste. Tu parleras, tu parleras, tu parleras, tu parleras,
tu témoigneras, tu avanceras, tu grandiras. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment.